Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et je vous emmène pour cette journée avec moi. Alors là, actuellement, on est jeudi 5 août et il est actuellement 7h30. Donc là, je viens de terminer de me préparer. Donc je suis coiffée, habillée, rejoindre ma maman en ville. On va passer la matinée ensemble, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi puisque je vais prendre le petit déjeuner avec ma maman en ville avant que le pass sanitaire soit de rigueur, on va dire, puisque apparemment c'est le 9 août, donc je vais profiter avant que ça passe en action, on va dire. Et ensuite, on va à l'inauguration d'un nouveau petit restaurant qui font des pokéballs hawaïens. Donc, je vous emmènerai avec moi et je vous filmerai tout ça. J'ai lavé mes cheveux avant-hier, donc je les ai juste retravaillés et mis un petit peu d'huile d'argan pour hydrater. Au niveau de ma tenue, alors, je porte un pull manche ballon de chez Zara avec des petites perles. Qui fait col un petit peu Claudine. Il est vraiment très très joli et la matière elle est vraiment très très douce. Il est agréable comme tout, il est ni trop fin ni trop épais. Il est ici. Ensuite, je porte mon jean de chez Mango effet push-up que j'ai acheté au moment des soldes là. Et il est ouvert au niveau du genou, mais c'est vraiment très très discret. Et au niveau des baskets, je porte mes Converse de chez Pinky. Voilà, voilà. Donc, je ne vais pas mettre de manteau puisque là, actuellement, il a l'air de faire beau. Le temps qu'il fait actuellement dehors, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Puisque là, je ne vais pas mettre de manteau, je vais sortir comme ça. Mais ma foi, ça a l'air qu'il va faire beau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donner à manger à Filou et à Ruby. Et ensuite, je vais aller prendre mon bus pour aller à Rouen, puisque ma maman va me rejoindre, mais pas tout de suite. Donc, je vous emmène avec moi. Et là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pas l'habitude, parce que habituellement, si vous suivez mes vlogs, et vous savez que moi, je déjeune dès que je me lève. Donc, ce qui veut dire très tôt le matin, puisque au plus tôt, je me lève à 5h30 le matin. C'est vraiment une habitude. Et là, de ne pas avoir déjeuné, je peux vous dire que je vais savourer mon petit déjeuner. J'ai trop hâte. Et on va aller prendre des viennoiseries chez Vatelier, qui font des gâteaux excellents. C'est eux qui avaient fait mon gâteau d'anniversaire que je vous ai montré lors d'un précédent vlog. Et franchement, il était délicieux. Et là, on va prendre deux croissants parce que ma maman me dit qu'elle a une faim de loup. Elle va bien déjeuner. Elle aime bien les croissants, elle adore ça. Moi aussi, j'adore. Mais moi, je vais prendre une roulette. C'est un petit peu comme un croissant, sauf que c'est un petit peu plus feuilleté. Voilà, voilà. Et en plus, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans toutes les boulangeries. Voilà. Donc, sur ce, j'arrête de blablater. Je vais aller donner à manger à Ruby et à Filou puisqu'ils s'impatientent, surtout Ruby. Et ensuite, je vais partir. Je viens de regarder, mon bus est à 7h54. Et là, il y a Filou qui est devant la porte. Coucou Filou! Coucou! Oh, il reste souvent devant la porte comme ça, surtout quand il y a des mouches. Puisque là, j'ai un petit souci avec des bestioles, mais normalement, le souci est réglé. Donc là, on y va. Je vais aller prendre le bus.
Recoucou tout le monde. Alors actuellement il est 8h30 et là je viens d'arriver au centre commercial Saint-Sever. Donc là je vais me balader un tout petit peu et voir si j'ai pas quelques petites courses à faire, comme ça après je suis tranquille. Et ensuite je vais aller sur Rouen rive droite à rue du Gros Horloge pour me balader le temps que ma maman m'appelle et me rejoigne sur Rouen. Et ensuite je vous partage tout ce qu'on va faire de cette petite matinée. Heureux tout le monde, alors on se retrouve, il est actuellement 10h moins le quart, je suis avec ma maman juste là, tu dis coucou, coucou. Et là on a été chercher nos délicieuses viennoiseries chez Vatelier. Alors du coup en fait le livreur il est arrivé un petit peu en retard et du coup ma maman a pris deux croissants, puis moi j'ai pris une roulette puisque c'est ce que j'aime bien. Et là on vient d'arriver au bar Étienne Coffee Shop à rue du Gros Horloge, place du Vieux Marché, c'est ça? Oui. Ouais. Et moi j'ai pris un mochaccino blanc et ma maman a pris un grand crème. Donc là on attend que ça arrive et je vous filme tout ça. A tout à l'heure. Alors là je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. La roulette c'est la première et les deux croissants au bout c'est pour ma maman. Voilà. En plus ils sont arrivés tout frais. Le livreur s'est excusé en plus d'être arrivé en retard. Et là en fait si vous voulez voir là où j'étais c'est ici. Ils ont aussi une boulangerie à Quincampoix, mais nous on va à celle de Rouen puisque c'est plus près pour nous. Le numéro de téléphone est juste là. Et voilà. Alors là on se retrouve, j'espère que vous allez m'entendre, on vient juste d'être servi. Et du coup pour moi c'est un mochaccino blanc avec une petite galette au bon beurre bio de Saint-Michel. Et pour ma maman c'est un grand crème. Et pareil avec le petit biscuit. Et là on va avoir le beurre bio. Voilà. À se régaler. Alors je vais vous poser là. Ah non, ça veut pas tenir. Ça ne veut pas tenir. Regardez. Non, c'est bon. Ma grosse roulette. C'est vraiment super bon. C'est super frais, bien croustillant et tout. C'est trop trop bon. Franchement, on voit la différence entre du congelé et du frais. Franchement, je préfère mettre le prix et avoir une bonne viennoiserie ou une bonne pâtisserie, mais pas j'aime bien la qualité quoi en fait. Donc du coup, je vais vous laisser, je vais déjeuner tranquillement avec ma maman. Re tout le monde, alors actuellement il est 10h07, là on vient de finir de déjeuner. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ton petit déjeuner? Ben, c'est délicieux, c'est très bon, c'est bon. Ça fait bien de déjeuner d'heure. C'est agréable de déguster un bon petit déjeuner dès le matin en terrasse avant que le pass sanitaire soit en vigueur. Mais franchement, on a très bien déjeuné. Les viennoiseries, elles étaient super bonnes. Et là, on a pris le petit verre d'eau pour terminer sur une bonne note parce que j'aime pas trop avoir le goût du café en fait en fin de... Donc on prend tout le temps un petit verre d'eau comme ça, histoire de se rafraîchir un petit peu. Voilà, donc là on va terminer tranche. Je vais profiter de passer du temps avec ma maman parce que c'est rare que je sors avec ma maman, hein, sachez-le. Donc là s'il flotte c'est normal, mais là apparemment il va faire beau. Regardez, le ciel est bleu, on est dans un endroit qui est génial. C'est juste là, voilà. Et là c'est la place du Vieux Marché. Et ensuite derrière vous avez aussi des restaurants juste là et puis encore derrière. Et ensuite, bah, je pense qu'on va aller se promener un petit peu, peut-être faire un petit peu les magasins et après on va aller au restaurant. Alors, actuellement on se trouve à Amorino. C'est un nouveau glacier qui vient d'ouvrir sur rue du Gros Horloge. Et là, regardez ce que je veux. J'ai trop envie de goûter cette glace là qui est ici avec le petit macaron. Ils font plein de petites choses aussi, des cafés, etc., des gourmandises. Franchement, c'est à tester. Dès que je testerai, je filmerai ça. Actuellement, on se trouve à Darty et je suis en train de regarder pour le DJ Pocket, Osmo Pocket, car c'est tellement petit pour filmer que c'est pratique. Donc là, je l'ai trouvé en magasin. Recoucou tout le monde. Alors là, je suis actuellement à courir et regardez, j'ai eu un coup de cœur pour ces baskets. Je les ai vues lundi en boutique, en vitrine, et ensuite j'ai été les voir. Mais franchement, elles sont trop trop belles. C'est des
Converse All-Star et regardez comment elles sont compensées. Moi qui fais 1m54 qui est tellement petite que franchement elles sont trop trop belles. J'ai eu vraiment un coup de cœur. Actuellement il est 11h20 et là je viens de laisser ma maman. Elle a un imprévu de dernière minute, du coup elle ne pourra pas venir avec moi. Mais du coup moi j'attends le bus, je dis au revoir à ma maman parce que son bus est dans pas longtemps. Et je vais me reprendre le bus pour retourner rue du Gros Arc. Il n'y avait personne et là je suis revenue, c'était blindé, donc on verra si j'arrive à passer, je vous dis. Des bons et des trucs comme ça. Un poké saumon, une boisson, un dessert avec ça? Non, ce sera. Oh, ton prénom? Dalia. D-A-L-I-L-A. L-I-L-A. Ok, tac. Je peux filmer? Oui, vas-y. Merci. On prend un beau sourire. On se retrouve, je suis rentrée à la maison, je viens tout juste de rentrer puisqu'en fait après avoir été récupérer mon pokéball au saumon, je suis passée au Triangle, donc c'est une boucherie épicerie orientale puisque j'avais des choses à acheter, je vous montrerai ce que j'ai pris après. C'est ma maman qui m'a appelée, qui avait besoin de choses et comme j'étais vraiment à côté, j'y suis allée. Donc je viens tout juste de rentrer, je n'ai pas encore mangé. Et voilà, donc là je viens d'allumer la télé, je regarde Camping Paradis, comme d'habitude. Et j'ai donné à manger à Ruby et à Filou, comme ça ils vont me laisser manger tranquillement. Et là, je prépare tout sur la table et ensuite je reviens pour vous montrer mon pokéball au saumon. A tout de suite. C'est parti, on va faire la dégustation de ce pokéball. Alors, le restaurant s'appelle le Waya Pokébar. Pour les Rouennais, ça se situe en face du palais de justice en fait, pas côté... Pas côté où il y a la brioche dorée d'Arty, c'est vraiment sur le côté là où vous allez quand vous voulez rentrer dans le palais de justice. Voilà, et c'est vraiment juste en face, à côté d'un bar qui fait l'angle. Donc voilà. Pour ce que j'ai pris, je vous mettrai une petite photo juste après pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mon poké. En tout cas, c'est celui au saumon que j'ai pris, puisque moi, le saumon, j'adore ça. Il y avait, c'était des poké signatures et il y avait aussi des desserts maison, etc. Mais rien que ça, je pense que ça va bien me caler. Et franchement, c'est très très bien garni. Mais regardez-moi ça. Donc là, il y a du concombre, du saumon juste ici, des jeunes pousses, de la cream cheese, de l'avocat, des edamame. Ici, c'est de l'ananas, juste là. Des concombres, je ne sais pas si je vous ai dit, en dessous du riz et ça, je ne sais plus ce que c'est. Me revoici, on se retrouve. Alors là, je vous montre le pokéball de plus près. Il est vraiment bien garni, hein, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est 9,90. Après, il y a plus gros. Ils font aussi des desserts maison, etc. Franchement, c'est pas mal du tout. Et voilà comment ça se présente. Et franchement, il y a de tout. Hein. C'est vraiment... très très bien garni. Donc là, j'arrête de manger et je me lève en fait pour donner une friandise à Filou, puisque regardez, il attend impatiemment la petite friandise. Est-ce que tu veux une didius? Oui, oui, oui. Et voilà, quand Filou a sa friandise, ça donne ça. Donc il fallait filmer quand même ce petit moment quand même.
N'est-ce pas, petit filou? Un filou et sa friandise, hein, c'est toute une histoire. Hein. Franchement, c'est sa vie. Nous, c'est les gourmandises. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos péchés mignons en gourmandise. Moi, franchement, c'est un peu de tout, mais vraiment, le sucré, quand je fous ma tête, c'est quelque chose. Et voilà. Je reviens pour déguster avec vous. Là, j'ai pris un petit peu de tout. J'ai mélangé de la cream cheese. Je pense que là, c'est de la mangue, en fait. C'est pas de l'ananas. Je dois me tromper, je pense. Des jeunes pousses, du saumon et du concombre. Et on va goûter tout ça. Franchement, c'est très très bon. C'est la première fois que je goûte un Pokéball comme ça. J'en entendais pas mal parler sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'a donné envie. Et comme c'était l'occasion et qu'il y avait un restaurant qui ouvrait aujourd'hui, bah, tant qu'à faire. Alors par contre, ça, ce qui est là, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça, je sais pas ce que c'est, hein, franchement. Mais ça, par contre, j'aime pas trop. Sinon, tout le reste, j'adore. Regardez qui fait la sieste sur sa maman. C'est petit filou. Filou, et comment bébé d'amour? Comment tu vas, mon amour? Petit cœur qui fait sa sieste sur maman. Et qui regarde si maman n'a pas laissé des petites miettes ou quelque chose comme ça pour mon petit filou. On va donner un petit peu de cream cheese à filou. Regardez, regardez filou, regardez. Ah oui, amen. Il aime bien mon petit cœur. Tu aimes bien la cream cheese, mon petit cœur? Mon petit cœur. Oh, il est tellement beau, mon petit prince. Il fait... Il y a des fois, ça lui prend comme ça. Il fait dodo sur mes genoux. Comme ça. Je suis assise sur la table. Enfin, sur la chaise, pardon. Excusez-moi. Mais je mange à table, plutôt. Et je suis assise comme ça. C'est rare qu'il fait ça parce qu'en ce moment, il est un petit peu jaloux de Ruby. Il a l'impression qu'on donne toute l'attention sur Ruby et moins sur lui, alors que non, mais c'est vrai que petit cœur, il sait se faire comprendre en fait quand il est triste et du coup, j'aime pas le voir triste avec sa petite tête, mon petit prince. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de le démonter en fait, le poké au saumon. Il reste pas grand-chose. Et finalement, ça, alors attendez, hop. Ça, je n'aime pas. L'oignon rouge comme ça, j'aime pas. C'est trop fort à mon goût, donc du coup, je vous le dis quand même. Je vous ai dit que j'aime bien, mais non, en fin de compte, non, j'aime pas. C'est trop fort, en fait. Ça prend trop le goût en bouche. Voilà, voilà. Et là, en fait, c'est de la mangue, du coup. Là, c'est de la mangue. Donc là, j'ai tout mélangé avec de la cream cheese et je vais terminer ce délicieux Pokéball. Et ensuite, je vais me poser tranquillement sur le canapé. Et sans doute faire peut-être une séance de sport, donc je vous filmerai peut-être une séquence. Je vais voir si mon PC est chargé, comme ça j'essaierai de vous filmer ça, mais sinon ce sera lors d'une prochaine vidéo. Si vous souhaitez voir ce que je fais comme séance de sport, mes tenues de sport, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me mettre un petit like. Mettez-moi un pouce vers le haut si vous souhaitez voir mes tenues de sport et je vais vous mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et je vous poserai des questions et vous aurez juste à répondre en dessous. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu, ce serait sympa. Comme ça, au moins, moi, ça me permet aussi de voir ce qui vous plaît, etc. Donc là, je termine mon petit poké. Ensuite, j'attends un petit peu et je vais me mettre en tenue de sport et faire sans doute une séance de sport. Mais prendre mon goûter juste avant quand même, bien sûr. Donc, je vous retrouve juste après. On se retrouve, il est actuellement bientôt 16h et j'ai terminé mon bowl. Si ce n'est que là, en fait, je me suis trompée, c'était pas des oignons rouges, c'était du gingembre. Donc maintenant, je sais que je n'aime pas le gingembre sous cette texture-là, en tout cas. Après, je ne sais pas si d'une autre manière je vais aimer, mais là, je n'aime pas. Mais sinon, tout était délicieux, vous pouvez le constater, j'ai tout terminé. Et ça m'avait été mis avec une petite serviette, je préfère le préciser, hein.
et une petite fourchette. Comme ça, si jamais vous voulez vous poser quelque part et manger tranquillement, pas besoin de couvert puisque tout est à l'intérieur. Et hop, c'est parti, vous mangez, c'est pratique, c'est nickel. Voilà, donc est-ce que c'est un resto que je vous conseille de tester? Oui. Son prix, je trouve que c'est dans les prix et au niveau du goût des produits, franchement, c'était délicieux. C'était vraiment très très bon, très goûtu. Il y avait du goût, enfin il y avait assez de produits de chaque. C'était vraiment juste ce qu'il faut. Il n'y en avait pas trop, il y avait un peu de tout. C'était vraiment équilibré. Et je me suis régalée. J'ai même pas le ventre, vous savez, lourd ou quoi. C'était vraiment, vraiment délicieux. Je me suis régalée. Après, si j'y retourne, je testerai d'autres poké signatures parce qu'il y avait aussi aux crevettes. Végétarien aussi, pour ceux qui sont végétariens. Il y avait au bœuf aussi. Et puis, de toute façon, je vous mettrai la carte comme je vous ai dit. Comme ça, vous verrez les la liste des ingrédients, etc. de chaque poké. Voilà. Et ensuite, vous pouvez le faire vous-même, en fait. Vous pouvez choisir tout. Les toppings, la garniture, la sauce, etc. Vous pouvez vraiment tout choisir aussi. Donc, c'est plutôt pas mal aussi pour ceux qui n'aiment pas tous les produits. Bah, vous pouvez le remplacer par autre chose. Donc, c'est plutôt simple. Je vais vous montrer ce que je suis allée acheter au Triangle. Alors, je me suis rendue à la boucherie. Et j'ai pris des côtelettes d'agneau. Alors, je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Il y en a 6 à l'intérieur. Voilà, voilà. Et elles sont vraiment énormes. Hein. C'est vraiment énorme, énorme. Donc, ça avec des frites maison pour ce soir. Ça va être délicieux. Et ensuite, j'ai pris des arachides fraîches. Donc, je ne sais pas trop comment je vais vous les montrer. Voilà. J'en ai pris des grillées et des blanches aussi. Voilà, donc c'est des arachides fraîches. Ma maman m'a dit d'en prendre beaucoup, donc j'en ai pris beaucoup. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. J'ai pris tout ça. Mais je pense qu'à mon avis, ça se peut que d'ici ce soir, il n'y en ait plus. Parce que c'est trop bon les cacahuètes comme ça. Je préfère les cacahuètes fraîches que les cacahuètes, vous savez, salées. Enfin, plus les salées, j'aime bien, mais quand c'est l'apéro en fait. Mais je préfère quand même celle-ci. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Re tout le monde. Alors, oulalalala, vous allez sans doute me disputer. J'ai fait ma séance de sport, j'ai oublié de filmer. Mais j'ai une bonne excuse. J'ai fait ma séance de sport, mais en mettant la vidéo sur mon téléphone. Donc, comme mon PC n'était pas chargé, bah, j'ai fait avec mon téléphone. Et du coup, c'est ce qui explique. Donc, je pense que mon excuse est valable. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je rigole. Je plaisante. Donc, j'ai fait ma séance de sport haut du corps. Donc, j'ai travaillé les bras, tout le haut du corps, etc. J'ai fait une séance de 30 minutes. Actuellement, il est 17h30. Et là, je viens de me poser et de me changer. Quand je fais ma séance de sport, ça arrive que j'attache mes cheveux. Mais là, j'ai juste fait une demi-queue. Et comme vous pouvez le voir, mes boucles sont vraiment bien définies. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Et je pense à faire une demi-queue, même en coiffure, parce que je trouve que c'est joli. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous trouvez qui m'irait bien en coiffure sur une longueur de cheveux comme ça et bouclée. N'hésitez pas à me dire ça, parce qu'après j'essaye aussi d'éviter tout ce qui est lisseur, sèche-cheveux, etc. Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Donc là j'ai fait le shampoing il y a quoi 2 jours et voilà mes cheveux comment ils sont en fait. Je les retravaille tous les jours un petit peu. Et voilà voilà, mais là sinon ils sont vraiment bien bouclés, hein, regardez. J'adore trop, c'est trop beau, j'aime trop et j'adore ma couleur. Enfin n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle coupe de cheveux, de ma couleur de cheveux. Moi je trouve que ça me va bien. Au niveau du teint et du visage, en fait, je trouve que c'est assez harmonieux et puis c'est pas trop méchant, pas trop dur, en fait. C'est vraiment très joli, j'aime vraiment beaucoup. Et les reflets que ça fait quand il y a le soleil, etc., c'est vraiment
très très joli. Moi j'aime beaucoup. C'est très rare que je suis satisfaite d'une couleur vraiment à 100%, mais là franchement je suis très contente. Et là j'ai bien travaillé les biscottos, regardez. Voilà, voilà, donc là j'ai mis mon haut de pyjama. Et puis là, je suis posée sur le canapé tranquillement et je regarde la télé. Et je vous reprendrai tout à l'heure, sûrement au moment du repas, pour vous montrer tout ça. Voilà, à tout à l'heure. Re tout le monde, on se retrouve. Il est actuellement 19h. Et là, on est en train de faire chauffer des potatoes au four. J'adore ces pommes de terre. Et avec les potatoes, ça sera les côtelettes d'agneau que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais regardez-moi ça, comment elles sont énormes. Donc celle-ci, c'est la mienne, c'est la plus grande. Enfin non, une des plus grandes. Mais c'est vrai que quand même, la mienne est quand même plus grande. Et avec ça, il y aura aussi du pain. Regardez-moi ça. Miam, miam, miam. Que ceux qui aiment la viande d'agneau me le mettre en commentaire. De clôturer le vlog hier, donc je le fais maintenant. Et j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à mettre un like et à partager et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et m'encourager à continuer mes vidéos, parce que franchement, ça me fait tellement plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point quand je vois des commentaires, des likes. C'est vraiment une joie pour moi de partager avec vous mon quotidien. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir en vidéo sur ma chaîne. D'ailleurs, la FAQ que j'ai postée sur Instagram sera sans doute postée dimanche. Sinon, ce sera lundi ou mardi. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !